Finalement, Joseph Ex-Badio by list moun qui touye président Jovenel Moïse. Tout nou ke mou pas cité là, yo te gon gros rôle yo joué dans assassinat président Jovenel là. Martine Moïse, nous tout connaissons madame président Adwe Zéphirin, Gary Bodo, Claude Joseph, Jean-Tel Joseph, Miradieu Fausté, James Solage avec Joseph Vincent. L'ispoun sa ke mso cité là, mbwal ba nou rôle yo te joué exactement dans dossier assassinat président Jovenel Moïse là. À travers Joseph Félix Badio, nous avons environ 4 personnes dans toute liste de l'université là qui étaient en contact serré avec Mounsayo pour qu'ils aboutissent avec l'assassinat du président Jovenel Moïse. Dans l'émission précédente, nous parlons qui ça, Martine, t'a réglé dans le dossier ça. Et m'a c'est moi qui va rappeler nous. Martine t'a fait pression et Martine li te descend dans palais national pour t'aller déménager pour t'aller prendre quelque matériel qu'il te gagné. C'est ça ordonnance juge Walter Rousseau Voltaire déclaré pour Martine Moïse. T'as bien? Et ensuite nous compte qui ça qui t'est passé avec Claude Joseph et nous connaissons qui ça tout et yon nèg tankou Badio qui déclaré mais dans l'émission aujourd'hui là m'va aider comprendre râler m'va faire là la plus sous Badio Jean-Tel Joseph Miradier et Faustin James Solage avec Joseph Vincent. J'aime dire nous là, assassinat président Jovenel Moïse, lui sorti dans entourage lui. On peut mon carré ça, non, ordonnance là. Parce que c'est même Joseph Félix Badio qui dit comme ça. T'es qui un petit monde, beaucoup de président, la donne nous joigne. Martine Moïse, Adwe Zéphirin, Gary Bodo, Claude Joseph. Et par mon capdil, c'est Joseph Félix Badio qui répète le ben, juge là. Mais est-ce que vous connaissez Mounsa qui est le Miradier Faustin qui rôle été joué dans l'assassinat président? Tenez bien. Miradier Faustin. C'est moun qui était en contact serré avec et Jean-Tel Joseph Joseph Félix Badio. Tenez bien. Il fait qu'on est Miradieu c'est lui-même qui te prend charge pour te placer agent et dans caille au cas qui existe dans Delma 60. Et côté que docteur Christian Emmanuel Sano traité. Et je rappelle, Christian Emmanuel Sano il a organisé. Et c'est un organisateur. C'est un nom qui a mis trempé dans assassiner le président. Parce que Emmanuel Sano, il pensait aussitôt le président Jovenel Moïse là, c'est lui-même qui va remplacer. Président, même Jean-Tout Martine Moïse, c'est la même idée à tout. Tenez bien. Dans l'appel téléphonique, yo, plus précisément dans la compagnie Digicel, Miradier Faustin est entré en contact avec Badio. Il a deux numéros de téléphone. Un c'est 38 76 71 07. Et l'autre numéro de téléphone, c'est 31 09 1150. Ça c'est numéro de téléphone et Badio est entré en contact avec Miradier Faustin. Attendez mes amis, parce que ça a très important. Faut bien
Miradier Faustin te gen rendez-vous avec parrain ni qui c'est Badio. Badio c'est parrain Miradier Faustin. Toutes les Badio étaient en cavale. Miradier t'a appelé rencontrer avec Badio et il te bail yo adresse qui c'est dans station service qui situé dans parage cabinet met Fizema Palvin pour te ka rencontrer avec Badio pour te ka dire mais ça ka passe dans dossier mais ça le gain comme donné ou qu'on a fait échange DCPJ à travers enquête qu'il mené yo arrivé interpeller Miradier Faustin. À l'époque Miradier Faustin c'est il était directeur adjoint BESAP. Mais qu'on y a, c'est ex. Et on n'a pas laissé, n'a pas aidé Miradier Faustin. On a dit c'est ex directeur adjoint BESAP. Attendez, oui. Miradier Faustin lui-même, il était là pour sous responsabilité, pour établir des contacts avec plusieurs gangs dans la capitale là, pour te joindre ZAM et pour te kabay mercenaire yo. Et pas moi k'ap di c'est nan ordonnance et juge Walter ou c'est Voltaire m'a pli là. Attendez, Miradier li entre en contact avec gang nan capitale là pour te joindre ZAM pour te kabay mercenaire yo, tandis que Jean-Tel Joseph qui c'est ancien directeur général Agence nationale des aires protégées qui c'est ANAP. Li te gen mission pour te gérer installation mercenaire durant séjour ta fait dans pays ya. Pendant mercenaire vini pour venir accomplir mission pour te arrêter à la suite de venir passer avec exécution président c'est Jean-Tel Joseph bon ami Guy Philippe qui te prend charge pour te installer mercenaire dans pays là. Comme souvle. Si Guy Philippe pas dans prison époque ça, les comme ça Guy Philippe t'a dans tête dossier assassinat président Jovenel Moïse. Comme souvle. Parce que si Jean-Tel Joseph dans dossier ça, il gagne même trempé dans dossier là comme souvle. Jean-Tel Joseph lui-même avec Guy Philippe, c'est beau deux beaux partenaires. Comme si vous voulez, non, Guy Philippe t'a cité dans la là, c'est Guy Philippe pas dans prison. Hein? Si Guy Philippe pas dans prison, non, t'a cité. Comme y a là, là nous jouons Miradier, qui t'a contact pour te contacter bandit, pour te jouer une ZAM, pour te faire mes scénarios, nous avons Jean-Tel Joseph lui-même, qui t'a une responsabilité pour te placer, pour te installer mes scénarios dans la capitale là. Comprenez bien? Et c'est si Badio te dit oui, tu as une machine qui t'a acheté sous nol et c'est lui même qui t'a acheté machine ça yo pour négio parce qu'il était infiltré mouvement pour les connait puis mieux ça t'a passé après ça pour te cal bail et ministre sécurité publique là pour te cal dit mais ça qu'a passé mais qui complot qu'a fait Badio dit qu'on s'allie même lui habitué faire travail ça yo et président Jovenel Moïse lui reconnaît que oui lui habitué infiltrer mouvement lui habitué jouer à rôle agent double. T'as dit bien? Pour moi les pilons dans dossier ça. Jean-Tel Joseph lui-même la question que t'as posé lui fait connait c'est lui-même qui t'est fourni avec logistique nécessaire by mercenaires durant ces jours t'as passé dans pays d'Haïti à laquelle et date côté de ta pral et fatidique côté que yo pral rivé assassiner président Jovenel Moïse. Nan question t'a posé Joseph X Badio. Badio fait connait que Jean-Tel Joseph, qui est commandant en chef brigade sécurité des aires protégées, qui est BESAP,
et c'est lui même qui était là pour te mèche avec et mercenaire et ensuite Jean-Tel Joseph te gen contact serré avec James Solage avec Joseph Vincent. T'as bien? Si Jean-Tel Joseph gen contact avec James Solage, li gen contact avec Joseph Vincent, ça veut dire quelque chose. C'est un bagage petit m'a parlé là. M'veux nous comprendre ça m'a dit là parce que dossier assassinat président Jovenel Moïse li sorti dans entourage. Moun Jovenel Moïse te prend pour ami, moun Jovenel Moïse te prend pour collaborateur, moun Jovenel Moïse te prend pour madame ni, c'est moun sa yo qui pral touyel. Tendez bien? Si Martin Moïse n'a pas gardé sur écran là, propose li. Li c'est madame président. Hein? Propose li là. Li termine président. Et puis tout pour non citer dans bagaille ça. Moi même ça cap touyer maintenant. C'est là Lionel Valbrin qui c'est ancien secrétaire, c'est ancien secrétaire général Parti National qu'on il déclaré devant juge là, Martin Moïse te bal gros pression pour te ouvrir bureau président by Ti Claude. Le bail de Ti Claude, bail de Claude Joseph. Il déclaré by juge là que Martin Moïse te dit Jovenel pas fait rien pour nous, faut qu'on l'ouvre bureau président by Ti Claude pour le faire conseil ministre. Il pral faire élection dans 3 mois pour me ka vinn président, c'est kounya nous pral gen pouvoir. Attendez. Lionel Valbrin dit ancien premier ministre et ancien premier dame non t'es venu nous parler dans nous qui était 5 juillet 2021 deux jours avant il était assassiné président. Il t'est venu pour te prendre une série objet mais il pas révélé qui objet qui était yé. Ancien secrétaire général Parti National là il dit il pas connait qui objet était mais Martin Moïse et lui fait connaître déménagement ça te dirait 5 heures de temps. Martin te débarqué dans Paris National aux environs de 10h dans soir, il est arrivé 3h dans matin. C'est nombre de temps ça yo que Martin t'est passé t'a déménager dans palais. Dol coïncidence dans le quitter 6 pour lever 7 président pour l'assassiner. Kounya là à travers ça Martin Moïse fait là, il descend dans Paris National, il déménager. Et ensuite, le président vient mourir. Ça paraît suspect. C'est l'on juge qui a instruit le dossier, qui c'est juge Walter ou c'est Voltaire, il dit déménageons ça par un hasard. C'est plutôt un signe qui montre que il y a un événement qui t'a venu. Martin Moïse n'a pas descendu par là pour gagner ici. Il n'a pas descendu par hasard pour déménager. Femmes ou bien, Martin Moïse avec Claude Joseph, il a gagné. Yon relation étroite. Yon relation serré. Parce que Jovenel Moïse qu'on vient Nakaeli, l'el gade li jouen Claude Joseph Chita dans salon, tandis que li va gen rendez-vous avec Claude Joseph. Eh, ça veut dire la première gade yon pour Claude Joseph en tant que premier ministre. Et si premier ministre a vini, la vini chita avec président, eh bien, li débarque la kaye président là, sans pas gen rendez-vous avec président saute sous Claude Joseph Nakaeli. Ça dit bien Haïti pays spécial hein que j'en fait m'bagé rendez-vous avant et puis tout me jeune dans la caille moi. Martin Moïse t'a quitté, c'est notre information qui me gagne là. Martin Moïse t'a quitté avec Jovenel depuis avant il était candidat pour devenir président. D'après Pierre Espérance Badio, attendez, Badio considéré comme suspect numéro 1 dans la mort Jovenel Moïse là. C'est bon ami madan de fin Badio teye. Parce que Badio fait qu'on est, il connaît très bien. Tenez bien. Martin Moïse Badio qui toujours conduit premier dame nan pour l'alcaï ou grand. Badio toujours fait déclaration ça. Parce que c'est lui même qui était chauffeur Martin Moïse à l'époque. Le Martin Moïse bien se fait pirate les Kaougan, c'est lui même qu'on conduit Martin Moïse pour l'Al Kaougan. Ça veut dire là
Martin, Moïse avec Badio, l'un contre l'autre. Selon Badio, il fait connait que Martin Moïse était séparé avec Jovenel depuis 2 ans avant le président. Ses films espagnol Sola qui te mandé moun yo pour yo faire comme si yo tourné pour te kabay yo bon image comme so me ka di comme quoi c'est yon candidat qui croit nan famille vraiment vrai. Est-ce nous jan mwè pour un moun qui président pour pa gen madame pour pa vivre en famille? C'est la raison pour laquelle le film espagnol Sola demande pour Martin Moïse et Jovenel pour te venir en train pour retourner ensemble. Parce que si tu fais un président ou pas avec madame ou pas vivre séparément, laisse ça ou pas un président exemplaire. Ça c'est et Badjo, il cap dit parole ça là. Est-ce que tu connais ça ou non? Parce que Badjo lui-même c'est Jean Martin Moïse Tayé, c'est lui qui a mené Martin Kaougan. Ça veut dire qu'on matine très bien. Ça veut dire là, l'homme, Jovenel Moïse, il va tellement faire effet sur Martin Moïse parce qu'il va avoir l'amour sincère pour Jovenel. Comprenez bien? Tout ça qui t'a fait là, c'est semblant que t'a fait. T'es une vidéo, t'es vu sur les réseaux, côté qui on fait que t'a fait en dedans, quand président, côté président a chanté là. Martin pas avoué trop coller avec président, non? Martin pas voulu camper pour faire photo avec le président. Il souvent courir. Quelques jours après assassinat président. Déclaration Martin Moïse a fait. C'est déclaration moun qui nan campagne, oui. C'est déclaration moun na qui candidat pour président. Oh oui, nous assassiner président, mais pas assassiner rêve président. Travail président pas camper. Ça c'est déclaration. Au moment des juste président, ça on dit ça bien. On continue. Tenez bien. Malé, rendez-vous dans notre prochaine émission pour qu'on vienne traiter l'autre dossier pas Chanel ça. C'est pour 1769 pour vous liker, abonner, payer sur notification, retirer sur visibilité sur tout. Malé, rendez-vous dans notre prochaine émission. Yo madame monsieur, qui rôle il était joué guerrier dans assassinat président Jovenel Moïse là? Et bien Badjo répond que li pas participer ni de près ni de loin dans assassinat. Cependant guerrier, tendez bien la République, li reconnaître li était au courant de toutes ressources qui étaient mobilisées pour te cap al arrêter pendant ou t'ap exécuter yo mandat d'arrêt que président Jovenel Moïse te fait objet. C'est pas moi qui parle guerrier, c'est dans l'ordonnance dans lié. Badjo dit comme ça, affaire mon Abdil c'est cerveau ou bien tout il était dans planification crime. Badjo dit ça c'est menti à faire sur les guerriers. Ça fait ça. Il dit lui-même ni de près ni de loin il pas gagner pour lui avec assassinat. Il dit cependant il était au courant de tout ça mobilisé comme ressources pour t'a arrêté président mais pas de bail tout hier. Pour t'a exécuter un mandat que le président te fait objet. Bon président de Verrouille. Qui mandat ça? Ah, mandat, c'est toi en Canada, tu mettez là. Ah, il y a un badjo qui a parlé. Au moins, on doit piéger. Mais pas, j'aime fond, j'aime prétendre des juges, ça allait même qui te lancé mandat. J'ai allé. On garde encore ça, badjo dit. Badjo dit, guerrier Dieu seul, pendant que tu attendais lundi 30 octobre 2023, qui s'est passé là, si bon rôle il était joué dans l'assassinat Jovenel Moïse là, c'est wall un agent double. Ça veut dire qui ça? Li infiltré mouvement tap fait yo pour être capable pi bien comprendre qui ça k'ap fait yo et qui côté ou vle rive. Ça veut dire à qui ça ou pral abouti. Badjo k'ap parler. Ben ouais côté abouti. Badjo dit comme ça, après selon ça il te gagne comme responsabilité, après le fin comprendre, après le fin gagne tout donner yo, après le fin connait côté yo vle rive dans cadre et planification assassinat, pas assassinat non, il même dit t'a bien pour la produire un rapport pour la dénoncer ça bon côté
le ministre de la Justice et de la Sécurité publique d'alors, M. Rockefeller Vincent. Il y a un peu de monsieur. Non, il y a un peu de ça dit, ok. On a un rapport. Non, je ne sais pas. Et ça, Badjo dit, si jamais le dégon Wall était joué guerrier, il était joué un rôle d'agent double. Okay. Ça veut dire l'infiltré moun yo qui pral touye journal yo, bon comme li pa konnen touye d'après ça le dit. Okay. C'est donc ça veut dire li ki était yo était arrestation qui était fait une fête ou bien li était fait mourir et puis rapport à pour préparer. Et puis Badjo dit après lui même il t'après dénoncer ça yo. Ah OK. Bay ministre justice à l'époque là qui c'est Rockefeller Vincent. A dit ministre justice était au courant que le déjouer rôle l'agent double. C'est monsieur qui a choisi pour le dire ça qui passe yo. Il était au courant que monsieur t'a joué rôle l'agent double. Et bien c'est le ministre justice. Travail était mal fait. C'est ministre justice ça, il était demandé vous d'attendre à le dire, il y a insécurité tant d'elle pas oui. Oui oui. Et lui même guerrier. Guerrier en aller. Pas bien me dit nous son document qui devant tout monde bas dit de me faire causer. Guerrier n'a pas rappelé moun ça OK Badjo dit il t'a pral et dénoncer ça que t'a fait au bon côté là. Il était conseiller spécial en matière de sécurité, il était membre cabinet. Rockefeller Vincent. D'abord, ça, il y a un instant, il y a Dieu seul. Badjo dit que le président Jovenel Moïse était au courant du travail qu'il a fait. Et d'ailleurs, il a déjà accompli mission secrète ça avec succès dans un coup d'État qui était avorté. Dans niveau petit bois le 7 février 2021 et Badjo dit c'est lui-même qui te bail des informations en temps réel par la police qui te permettent de te arrêter monde qui t'a comploté coup d'état. Mais gars il a regardé monsieur. Gars c'est pas première fois l'a joué rôle ça et ça le dit. Dis président Jovenel Moïse t'es au courant que l'a joué rôle ça. D'autant que tu as parlé coup d'état. Coup d'état que t'es fait petit bois. Okay. Il dit d'ailleurs c'est lui-même qui bail information qui fait à l'arrêté mon petit bois. OK. Le coup d'état ça hein, parce que pas condamné. Travail agent double là, il dit tu gagne monde dans gouvernement connaît le président. Okay. Dit il tellement connaît li bail résultat déjà dans coup d'état qui était avorté le 7 février 2021 dans petit bois. Okay. C'est ça le dit guerrier. OK. On allait on pas mandé me compte c'est dit m'a dit guerrier. Badjo dit qu'on s'est guerrier et d'après bon ça je la cap parler d'après rapport que RNDDH a été publié dans date 6 janvier 2022 il y a 4 machines qui ont été mises à disposition de assassins qui te font convoi un de l'autre pour tal touyer président la caille et puis assassiner maspinel crabinel. Les machines à sur le NDDH étaient louées, sorti 1er juillet 2021 pour une période de 8 jours, dans une maison de location qui est RJ Rentecar, qui trouvait le numéro 89 dans Clercine 14. Et c'est Joseph Félix Badjo qui louait machines à eux. Eh bien, Joseph Félix Badjo, effectivement, dit guerrier, révèle à ce NDDH au vrai. Dans le sens que c'est lui-même qui louait machines à eux. Avait dit, il tellement joué l'agent double guerrier pour le comprendre bien oui, pour le comprendre mouvement qu'a fait ça qu'a fait yo, lui même rivé louer machine sous dans le bas ça rien. Pas moins de 4 véhicules que louer dans RJ Rentecar sous non lui. OK. Mais pas qu'on joue à arrestation. Il va dire ça parce que il va dire ça. Il va dire ça. Guerrier dit que guerrier. Juge l'a dit, les monsieur avancé tes arrestations guerrier, juillet 2021, avant et après assassinat président Jovenel Moïse là, premier ministre répond comme ça guerrier. Il répond en français, mais moi je vais essayer de faire traduction pour nous faciliter la compréhension. Premier ministre a dit, dans la nuit de ça, n'a pas parlé à la, moi je vois une quantité incalculable, un nombre incalculable d'appels téléphoniques. Premier ministre a dit, même songe, à qui est-ce que je parle? Et même son j'aime que je parle avec un certain Joseph Félix Badjo. Dans pile ça, je crée. Owen, qui dit que je parle avec Jouza, mais même son j'aime ça. Docteur Ariel, il a parlé guerrier. Je ne dis pas qu'il y a une tête venant. L'ep du juge a posé la question sur ensemble d'appels téléphoniques que tu as échangé avec
Félix Badjon dans la nuit 6 pour l'ouvrir 7 là. Ariel Henry dit guerrier. Si c'est pour appel, c'est pas ni 2 ni 3 appels de recevoir. Mais elle dit dans tout appel, ça va changer que le départ là avec Joseph Félix Badjon. Il dit c'est après qu'on pas qu'il y a des amis Gabriel il. Que yo te rele le jour ça, yo rappelle que yo te rele le jour ça. Yo a même songe ba comme ça. Mais ni papa. Et puis, il y a des pays qui ont des pays. Il y a des pays qui ont des pays. Il y a des pays qui ont des pays. Il y a des pays qui ont des pays. Il y a des pays qui ont des pays. Mes amis, mais. On dit, tout le monde dit que Ariel Télus, Haïti son pays difficile, monsieur. Ariel va songer. Ariel va songer s'il y a tout le temps à son pouvoir. Non, va faute, non. Docteur Ariel Henry Guerrier de Zel. Là, on pose la question sur le rapport que l'État a gagné avec Joseph Félix Badjo, Premier ministre déclaré. Moi, je te dis nous ça. Moi, j'ai rencontré un monsieur dans l'équipe qui travaille dans la défense dans le moment de tremblement de terre de 2010. Nous venons sympathiser ensemble. Mais l'ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, il voulait prendre mon coup de main dans le service d'enseignement. Nous travaillons dans l'époque là dans l'ULCC. Et après l'élection 2016, nous on l'a montré que si a parlé de arrestation, ok. Il a donné. Mais si a parlé de assassinat, fait prier par nous-mêmes. Et ça, Badjo dit, Bigari. Ok. Allons vivre Badjo, ça, papa. Chaque nègre t'a supposé qu'on Badjo, non. Chaque nègre t'a supposé qu'on Badjo. Ouais. Dans l'équipe, papa. Eh bien, guerrier Dieu seul. Gros l'autre bagay qui important nous devons noter dans déclaration Badjo et nous va gagner pour nous retourner sous lit c'est relation avec docteur Ariel Henry. Mais avant quitter nous aller dans audition qui était faite la caille docteur Ariel Henry nous songer ça les juges là te déplacer pour attendre monsieur à la caille. Me dit nous même était très curieux pour me connaître qui ça, eh bien, on est d'accord avec Ariel Henry, pardon. On pourrait ministre d'accord avec Ariel Henry, t'es dit, juge là. Eh bien, je lui ai expliqué que, la date 26 décembre 2023, après le Conseil des ministres, là, t'es fini de prendre une résolution qui était autorisée pour tendre une série de hauts fonctionnaires dans l'État, eh bien, l'État allait dans la résidence officielle pour le Premier ministre, là, et l'État le prend, ou bien l'État le recueille, si vous voulez, déclaration PM nan, qui lui-même te fait l'assister de mettre Achab Duval avec mettre Alex Richard comme avocat. Eh bien, là on pose docteur Ariel Henry question sous appel téléphonique li te gagné ou bien li ta gagné avec Joseph Félix Badjo dans la nuit 6 v 7 journal Le Nouvelle Liste entre le 25 au 26 janvier 2024. Ouvrez les guillemets. Pour rendre son ordonnance, le juge doit prendre le temps de revoir toutes les enquêtes, réécouter toutes les auditions pour ensuite faire tous les considérants. Cela lui prendra au moins 4 semaines. Le plus tôt qu'on peut espérer une ordonnance de renvoi ou de non-lieu du juge Walter Wissé-Voltaire est à la fin du mois de février, a expliqué cette source. Une fonte logique à partir de l'information sagérie. Pas bien, me dit non, moi je suis juriste, moi je suis avocat, moi je suis fait droit. On prend pour vrai que le 17 janvier, que parquet voué, réquisitoire définitif, il va juger là. On partit de l'idée que ça sous dossier à propos, non, car il commissaire, il va arriver au point que le commissaire accusé réception et puis vous connaissez qui suit le bail. Mais le dimanche ça que au plus tard, le dossier a dû arriver hier. Bien, ça c'est parole sous moi contre ça qu'a dit. Donc ça veut dire et dossier a été pris dans blocus. Qu'on y a là. Ou intelligent, on est sérieux. Entre le 25 janvier de Naslaran et jusqu'à dimanche 18 février, il y a parlé à dossier a été dans route pour parquet pour livrer la lui. Donc ça font bon titre pas vrai. Qu'on y a on t'a commandé pour qui ça dossier après tout temps ça pour la jeune parquet pour le. C'est suivi administratif, je suppose. Puisque son dossier est gouneg, et puis tout, tu as gagné des mouvements de protestation. Elle dit gouneg pour le bagamaché. Ah, gagné. Elle dit gouneg pour le bagamaché.
les gonèges. Il y a son dossier important à parler, monsieur. Vous comprenez, c'est gardé, m'a regardé. Dossier, son dossier qui gonègue. Vous comprenez, son dossier, côté où il y a un pélage à compiler, etc. Okay. Donc, suivi administratif, vous comprenez. Mm-hmm. Donc, entre le 25 janvier, il y a dit que l'ordonnance l'a rendu. Et. Jusqu'à hier. Moi-même, pendant ma parole, là, je ne peux pas parler sur ça. Je ne sais pas si le dossier est dans le commissaire gouvernement de l'Ouest. Mais on dit jusqu'à hier que le dossier est arrivé, effectivement. Donc, hier, on a noté, c'est 19 février. Ça fait environ un mois. Environ un mois. Je veux dire, dans 5 jours, il y a un mois là. Donc, il prend ça pour l'hiver dans le taquet. Parce que nous devons faut arranger, il y a des mises en place qui peuvent faire. Il faut regarder est-ce que le dossier est bien écrit. Probablement, il y a l'autre monde qui est là. Oui. Nous sommes dans la constitution et ça qui soit dans le parlement, avant d'arriver dans le parlement, il y a qui change. Le motif là, comme on est d'abord, c'est le premier parti moins li. Donc c'est le journaliste, nous avons nouvelle nouvelles chercher. Ce qui est intéressant, c'est qui s'agit là lui-même, lui décider comme conclusion. Bah, oui. Mais après, je finis de lire ça au guerrier, ça me fait partager avec vous, toi là, malgré tout dans le processus d'instruction, un ensemble de monde qui s'agit là, dit avec eux, qui s'agit dit juge là. Il y a des monde qui est intéressé. Par exemple, ou pas se m'bata remè, konè, ki sa onèk tan kou Joseph Félix Badjodi, juge Walter Wisser Voltaire. Ou pas se sa pas tantem pou m'konè, on moun tan kou Ariel Henry, ki gen non cité nan la moua, kote numéro selon le rapport de la police judiciaire, prouve que l'était en contact permanent avec yon nan moun yo considéré comme le cerveau du crime avant, pendant et après. Assassinat, nous avons une explication de la juge. On est comme Michel Joseph Martelly, qui est considéré comme monde qui était venu présenter Jovenel, là, on va supporter Jovenel, etc. Nous avons une connaît qui ça Martelly, tu as dit juge là, elle t'a le juge là. C'est ainsi que, madame, monsieur, vous avez de l'autre monde, moi, tu souhaité, tu ça, juge l'a dit, yo dit. Mais maintenant, on a commencé à trois mondes seulement parce que l'heure a fait la guerre, nous allons regarder après trois. Et tout le monde. On a certain à retourner sur le dossier, par exemple, on a regardé déclaration ancien secrétaire général par le national. Monsieur Villebrun, qui fait des révélations fracassantes. On a regardé tout qui ça de l'autre monde dit juge là. Mais pour maintenant, guerrier, nous pourrons partager avec l'auditoire et puis chercher à comprendre tout. Déclaration ou bien déposition trois mondes. Qui c'est Joseph Félix Badjo, que depuis le DCPJ fait premier rapport là, présenté nous comme yon nan moun qui planifié crime ça, yon nan cerveau crime là. Et deuxième moun nan, c'est Dr. Ariel Henry, que selon rapport DCPJ et selon tout les révélations du RNDDH, qui était en contact permanent avec cerveau crime là, et puis Michel Joseph Martelly. Guerrier de seul. On a regardé pour Félix Badjo, guerrier. Et bien, guerrier, dans l'ordonnance ça qui devant nous, hein, nous lit que opposé Badjo, en parlant de juge instructeur, question plusieurs fois. À plusieurs reprises, monsieur vient dans le cabinet, juge là pour poser la question, pour demander le salon qu'on est. Pour demander qui sa vérité a eu selon les guerriers de seul. Walter Wisser Voltaire, si c'est moi qui tape la responsabilité de parler pour la première fois de non ça, c'est certain que je démarre avec la phrase française pour me dédier la République, retenez bien ce nom. Mais étant donné que pendant les dernières 24 heures, non, ça fait partie de nos haïtiens plus cités, plus écrits tout, par rapport bien sûr à nouvelles qui est pour ordonnance que magistrat si là, l'Iran guerrier concernant le dossier de l'assassinat de l'ancien président Jovenel Moïse. C'est vrai que nous n'y a pas attendu nous pour première fois. C'est vrai que nous avons raisonné fort
même parce que li important par rapport avec statut et puis responsabilité citoyen pour nous dire d'entrée de jeu la société qui citoyen ça. Walter Wester Voltaire, madame, monsieur, d'après information qui est disponible et qui est officielle, tu as évolué au niveau du secteur des droits humains. Dans feuilleté, dans garder, dans monter des scènes d'information, nous apprenons que Walter Wester Voltaire rentré dans la magistrature là, sous les guerriers dans l'année 2010, c'est-à-dire son juge qui n'est pas né de la dernière pluie, c'est certain, il y a plus de 15 jusqu'à 20 ans d'expérience, c'est pas vrai? S'il est rentré en 2010, nous sommes en 2024, je dis. Il y a environ vingtaine d'années d'expérience. Parce que nous apprenons que il était substitut commissaire gouvernement dans le tribunal de première instance Port-au-Prince. Nous apprenons que le juge là était commissaire gouvernement AI dans Port de Paix. Nous apprenons que le juge là était nommé juge, ok, au tribunal de première instance en 2010-2024. Ça fait 14 ans, environ 15 ans. Il y a on confond à 2000. Il y a 2010-2024, ça fait environ une quinzaine d'années. Oui. Merci, guerrier. Quel était bon en français? On a fait Oui, il est nommé juge au tribunal de première instance de Port de Paix. Côté le passé environ 5 à 6 ans guerrier. Et puis Odile devine transféré dans le tribunal de première instance Croix des Bouquets. Nous après de janvier 2021, Walter Wester Voltaire lui-même lui prêté serment comme juge d'instruction dans Croix des Bouquets. Il passait environ un an. Et puis en janvier 2022, guerrier du seul, lui était venu dans la juridiction Port-au-Prince. Côté le travail comme juge et juge d'instruction. 30 mai 2022, doyen tribunal, première instance Port-au-Prince, M. Bernard Saint-Ville, désigné Walter Wester Voltaire, madame, monsieur, comme nouveau juge qui pouvait enquêter sur l'assassinat président Jovenel Moïse, nous tous connaissons. Yo te maspiné, crabiné, assassiné la Kaili dans Perlure 5, commune Pétionville. Pour qui ça nous dit nouveau juge là? Parce que nous connaissons bien, même avec moi, tu as gagné 4 juges avant M. Voltaire. Yo te déjà confié dossier ça. Par exemple, tu as gagné Mathieu Chanlat, tu as gagné Gary Aurélien, tu as gagné Chavan Etienne. Te gen Merlan Melabre, nous songe ça qu'aujourd'hui a gen environ 3 juges dans magistrat ça ou pardon qui te déporté ou souvle. Mais nous songe tout gen yon qui pat même gen temps recevoir dossier à tout guerrier du seul, etc. Donc Walter Wester Voltaire devine 5e juge instruction qui devine gen chance un bien et travail sous dossier Jovenel Moïse. Donc depuis mai 2022, magistrat a gagné dossier à Namel. Donc mai 2022, mai 2023, fait un an, et mai 2024, là, tu as pris le fait, magistrat a 2 ans avec dossier ça Namel. Nous songeons, gagné des organisations de défense des droits humains, ta coup CARD, après 3 mois, tu as gagné temps, écrit, demander juge là si jamais elle pas une chance finestoui pour doyen choison l'autre juge et cadre tout dans même chapitre là tu plutôt plaider en faveur de un tribunal spécial lui t'ai expliqué par rapport avec complexité qui dans dossier là. Donc la justice haïtienne, le droit haïtien te gagné en pile manquement lacune qui t'a permettre que yo font bon traitement de dossier pareil. Nous songe tout population qui quand même te gagné les yeux rivés sur le juge instructeur pour dire pas comprendre
qui ça juge la vle faire dossier journal là puisque ouais juge la rentrée non dynamique tendez moun voyez moun aller chaque moun qui finit parler avec juge la dire c'était une audition très cordiale et qui a eu des échanges et avec juge là avec magistrat vous comprenez dans le respect etc. Donc en pile moun d'a dit que qui intention magistrat avec un dossier pareil que estime qui sont dossiers qui d'une importance capitale pour le pays parce que quand même on a parlé d'un président en fonction il a assassiné bon ensemble de questions auxquelles s'ouvre la population même il y a tant de réponses et pour eux même groupe monde qui place pour bailler réponse ça yo à question ça yo au niveau de la justice mais il y a monde carrément dès le départ qui te dit eux même la justice haïtienne ou bien justice que n'y est là li pas inspiré confiance donc yo pas quoi que grand rien qu'a fait véritablement dans cadre dossier Jovenel Moïse là gien moun ki ka di comme ça que si on tenu code de fonctionnement justice là dans pays d'Haïti si on considéré un ensemble de problèmes d'ordre factuel et structurel qu'a prolonger justice là donc il était plus facile pour on être que Jovenel Moïse lui même ressuscité au lieu de jouer une justice. Mais il y a un monde qui est capable de tout, Jovenel Moïse, comme président de la République, de son État, pas de travail vraiment assez pour jouer une justice, sinon, un ensemble de monde qui tombe, qui mourit dans le pays, il était capable d'essayer comme président, un bon, et mettre poil sous balance pour permettre que la justice fait travailler comme ça doit. C'est quand même des réactions ou des commentaires, il y en peut-être plus pertinent, plus fondé passer l'autre. Tu t'as fait par rapport à ce fameux dossier. Jusqu'à ce que le juge là, t'es venu monter États-Unis, information fait quoi, les rencontrer FBI, y a des échanges qui fait, juge là retourné là, venu gon l'autre tournure, puisque c'est à partir de ce moment que le juge là, les pral commencé à gagner moun. Par exemple, nous songer, magistrat Jacmel là, sauti Jacmel, avec toute sa foi, toute confiance li, la vienne répondre une question juge Voltaire, et bien après audition, hein, et bien à la grande surprise de sympathisants, partisans magistrats, au grand étonnement de magistrats guerriers, yo conduit magistrat dans le pénitencier national, yo décidé qu'il y a un bel. Depuis lors, tu es venu gagner une tractation cap fête, etc. Et venu gagner un invité qui dit yo pas prêt à aller, vous comprenez, on est dans le cours. Et Rinal Luberis qui dit le pas de joindre invitation, bon série de hauts fonctionnaires que juge là t'est venu demander commissaire gouvernement faire disposition légale pour permettre que vienne répondre question, conseil des ministres vienne réunir, yo décidé pour juge là attendre on est dans quoi Ariel Henry, secrétaire général Palais national, yo vienne attendre ancien secrétaire général Palais national sous Jovenel Moïse, yo invité Martine Moïse rappelé que yo était récusé juge là à travers avocat, pas de question, Rinal Luberis dit même pas de jambe joindre invitation, etc. Un paquet de bagaille. Et bien guerrier, après un pile temps ou te gan pile dilatoire, te gan pile suspense, en pile doute, en pile parole qui t'a répété guerrier. Donc finalement, d'après information qui est disponible, le juge Walter Wester Voltaire les mêmes les rend ordonnance. Et tout le monde est impatient pour te connaître dans qui sens ordonnance là a orienté. Est-ce que son ordonnance de non-lieu, de clôture, de renvoi, etc. Vous comprenez, grand juriste, de qui ça n'a pas parlé. Pourquoi il n'a pas fait matin, il y a comme commentaire, il concerne la date, il dit ordonnance, là, rien n'a gagné. Nous songeons à l'approche de la date du 26 janvier, il y a un ensemble d'informations qui a commencé à circuler pour dire que le mandat juge instructeur Walter Wester Voltaire l'a fini. En effet, information qui n'a pas confirmé le 26 janvier 2024, le mandat juge là prend fin. Donc, d'après ça, disponible comme élément, comme juge instructeur. Or, les nous avons des médias qui ont écrit sous ordonnance là. Pendant le week-end, guerrier,
Nous-mêmes, nous contactons une source judiciaire qui est généralement bien informée. Qui dit nous que l'ordonnance la rend depuis le 25 janvier. Soit on joue avant la date souvelée et de la fin souvelée du mandat du juge instructeur qui est même d'arriver à échéance à Djani Oximab Saint-Fleur le 26 janvier 2024. Mm-hmm. Non, 25-26, il y a un journal Le Nouvelliste qui guerrier était sorti en enquête, pas enquête pardon, en article sous eh bien information qui fait quoi que juge là t'après la rendre ordonnance li incessamment parce que information t'est fait quoi tout que ligue t'a transmettre dossier à by paquet et l'attend le réquisitoire définitif du paquet pour les mêmes capables rendre ordonnance li. Information fait quoi guerrier que paquet le 17 janvier OK t'es voyé réquisitoire par le juge là. Donc 17 janvier à 25 janvier que vous dites ordonnance dans rendre c'est environ 8 jours après. 8 jours. Par contre c'est une trompe. Gros paragraphe qui attire attention parce que moi-même les informations m'a fait guerrier moi pas fait droit. Non, article ça m'a parlé nous qui sorti dans colonne journal Le Nouvelliste qui a annoncé que ordonnance a sorti là nous sommes en janvier 2024. Lié parti consacré. Une autre source contactée par le journal indique que le juge instructeur ne peut pas rendre son ordonnance pas avant un mois au minimum après réception du réquisitoire définitif. Là, ma préférée, un article qui paraît dans la colonne journal Le Nouvelliste entre le 25 au 26 janvier 2024. Ouvrez les guillemets pour rendre son ordonnance. Le juge doit prendre le temps de revoir toutes les enquêtes, réécouter toutes les auditions pour ensuite faire tous les considérants. Cela lui prendra au moins 4 semaines. Le plus tôt qu'on peut espérer une ordonnance de renvoi ou de non-lieu du juge Walter Wisser-Voltaire est à la fin du mois de février, a expliqué cette source. Un fond-il logique à partir de l'information s'aguerrie. Je me dis non, moi je suis pas juriste, moi je suis pas avocat, moi je suis pas fait droit. On prend pour vrai que le 17 janvier, que parquet voué, réquisitoire définitif, il va juger là. On partit de l'idée que ça sous ça lui-même, lui expliquer by journal là, ce n'est pas vrai. Donc moi je me perds. Si sous cela, par exemple, je suppose qu'on a parlé d'un monde qui est bien avisé, parce qu'on a parlé de Le Nouvelliste quand même. Je vais vous révéler mes soucis, même certains ont un dossier qui a tout ça comme importance. Donc, il n'y a pas de soucis à qui vous parlez. Pour cela dit, pour le juge la rendre ordonnance, il faut prendre le temps pour louer toute enquête là. Il faut le temps de toute audition qu'il a fait après pour le faire considérer avant de rendre ordonnance. Donc, est-ce que tellement juge la dynamique, guerrier, dans 8 jours, le juge la dynamique doit faire tout ça? D'ailleurs, sous cela tellement à l'épilou, il dit par rapport à tout travail, ça, puisque le dossier a gouné guerrier, au moins, juge l'a besoin, au moins encore, après réquisitoire définitif, paquet pour lui rendre ordonnance. Ça qui voulait dire ça. Ordonnance là, t'es supposé rendre au plus tard à la fin de ce mois de février. Par contre, vous comprenez, non? Mais, mandat juge l'a fini le 26 janvier. Donc, ça t'a voulu dire ça. Ça t'a voulu dire que. Même si tu as toute mise en place qui t'est faite, même si tu as paré effectivement pour te rendre ordonnance, mais si tu tenu compte de deadline que sous ça lui-même lui partagé avec le journal là, donc ordonnance n'a pas bien paré guerrier entre le réquisitoire définitif là à joindre le juge là à le mandat finir. Par contre, tu comprends, non, guerrier? Donc, qui vient faire que. Léo dit nous que l'ordonnance est rendue depuis le 25 janvier à mon petit Jean perdu. Son profane n'a pas le gars. Mande, est-ce que effectivement que l'ordonnance est rendue en date savée? Je ne suis pas en train de dire qu'il y a une date. Non, ça m'a dit non, guerrier. Bon, ça n'est pas connu. C'est pas ça m'a dit non, je connais, je dois décider. Je déforme mes paroles, moi, c'est pas ça m'a dit non.
m'a dit que on tidatel mais m'a pensé comprendre m'a bien me dire moi m'a faire information et information yo m'a nou article là m'a ba nou date complète et précise article là que n'ka li que journal là t'ai écrit et si m'pa trompé moi parce que faut me parler avec précision que tout monde cap tande nous là nous va kan envoyer monte guerrier article là sorti le 25 janvier 2024 journaliste qui signe article là les Jean Junior Célestin pour journal Le Nouveliste et le titre consacré fin de l'instruction du dossier de l'assassinat du président Jovenel Moïse, le juge Walter Wester Voltaire rendra son ordonnance incessamment. Là, nous sommes le 25 janvier 2024. Mandat juge l'a fini le 26 janvier. Donc, paragraphe ça, extrait ça me saute li, côté journal la dit parler avec on source et source là explique que pour juge la rend ordonnance li, juge la prend en quantité de temps pour le rewet toute enquête là. Pour le retendre et audition, pour le capable de faire des considérations, etc. Pour le dire ça, prendre pour petit 4 semaines dans le guerrier de seul. C'est dans l'article là, oui. L'article là. C'est pas moi qui ai inventé le nom. Donc, quand il y a considération, m'a fait matin, ou bien commenter, m'a fait matin, je parti avec l'idée que ça est vrai. Il est vrai. Mais s'il est vrai, qui ça qui explique que le juge là recevra le réquisitoire là le 17, et puis pour dire que le 25, ordonnance qui est dans la ligne d'abord. Moi, mon magistrat dit là, parole en moi, c'est blague. C'est juge là qui fait instruction, il connaît le dossier. Il connaît, ok. Mais regardez, regardez, c'est pas information, mais qui a information, moi, mes questionnements me fait. Mais ça, c'est un guerrier, que c'est vrai que le juge là rend ordonnance le 25 janvier, que c'est pas vrai, mais ça, c'est un document en circulation. Les documents en circulation, il y a plusieurs médias qui reprennent pas des moindres. Il y a un premier média pour nous faire crédit qui parle de lui, et il est à Ibo Post. Il y a des gens. Moi-même, toujours un souci pour moi à l'informer. Moi, je fais 4 coups de fil au niveau du système judiciaire, notamment au niveau de certaines sources proches du parquet, pour me rechercher, regarder est-ce que le dossier a arrivé à un parquet déjà. Jusqu'à dimanche, qui ça sous la dîme guerrier? Sous cela, dit mon que dossier a dans août, il t'a dû arriver jouer un paquet incessamment. Et sous ça, tu même expliqué que dossier a t'a supposé arriver paquet au plus tard hier, lundi 19 là. Ok, laisse à nous. Dimanche. Ça, dimanche. Nous, dimanche. Vous comprenez? Dimanche. T'as l'air. Dimanche, ça se passe samedi, dimanche. Samedi, qui se passe là? Oui. Ça dit dossier a pas de quoi arriver paquet. C'est ça, sous cela, dit mon. Mais il y a des médias qui ont dit que c'est un paquet. L'aimerait les gonia là pour moi contacter quelques sources pour du paquet et dit que le dossier est en route. Parce que qui est, ça, sous ça expliqué, il y a d'accord que le commissaire gouvernement lui-même lit le dossier, c'est le lien inscrit dans le cahier, c'est le lien accusé, réception, c'est ça. C'est ça, il dit. Jusqu'à l'homme d'a parlé, sous ça expliqué que lui-même. À sa connaissance, le dossier a beaucoup. Non, car il est commissaire. Il est beaucoup arrivé au point que le commissaire a accusé réception et puis vous connaissez qui suit le balai. Mais le dit nous a que, au plus tard, le dossier a dû arriver hier. Bien, ça, c'est parole sous moi contre sa cap dit. Donc ça veut dire, le dossier a été pris en blocus. On y a là. Intelligent, on fait un sérieux. Entre le 25 janvier de Nostaran et jusqu'à dimanche, 18 février, il y a parlé à dossier à tenir en route pour parquet pour arriver la lua. Donc ça fait un bon titre, pas vrai? Quand il y a eu, t'as commandé pour qui ça, dossier après tout le temps ça pour la jeune parquet, pour le jour, c'est suivi administratif, je suppose. Puisque son dossier est gros nègre, et puis tout, t'es gagné des mouvements de protestation. Il y a gros nègre pour le bagamaché. Il y a gros nègre pour le bagamaché. Il y a son dossier important à parler, monsieur. Vous comprenez? C'est gardé, m'a regardé. Oui. Dossier, son dossier qui est gros nègre. Vous comprenez? Son dossier, côté où il y a un pilaï à compiler, etc. Okay. Donc, suivi administratif, vous avez pris le temps. Donc, entre le 25 janvier, il y a dit que l'ordonnance est là. Et jusqu'à hier. Moi-même, pendant que je parle, je ne peux pas parler à ce stade. Je ne sais pas si le dossier est dans le commissaire gouvernement pour le moment. Mais on dit jusqu'à hier. Que le dossier est arrivé, effectivement. Donc, hier, on a noté, c'est 19 février. Ça fait environ un mois. Environ un mois. C'est dans 5 jours, il y a un mois là. Donc, il prend le temps pour lui venir dans le paquet.
parce que nous avons des bagages à arranger, il y a des mises en place qui pour faire, il faut regarder est-ce que donne un sang écrit, probablement bail l'autre monde ouelli, c'est pas vrai. Nous j'ai dans la constitution et ça que soit si dans le parlement, avant de arriver dans parler, il y a qui changer quelque chose. Est-ce que le bien écrit, avant magistrat, si il faut lui tout ça qui fait. Bon, pour lui, il consulte tout. Oui, oui. Parce que je me songe lobby, mettre Bernard Séville, te fait pour juger ça, pour dire son juge là, pour aller intervenir, pour écouter CSPJ, etc. Pour mettre moyen à la disposition, bal machine, mende, mettre ton machine dans la couple, bali et agent de sécurité rapproché, mm-hmm. et mettre moyen à la disposition li, et yon bay le magistrat dit qui est fondamental en parlant de juge Bernard Saint-Ville, mm-hmm. il dit par exemple on dossier comme ça vu ampleur li, vu sensibilité, la complexité, etc. Donc on juge tant que Walter Wilson Voltaire pour avoir besoin d'un consultant. Ben oui. Donc probablement il n'y a pas son dossier complexe. Il y a un baron qui est consultant ça, oui. Donc faut le consultant avec vous regarder est-ce qu'il est malade. Très considération, non, mais un fait certain guerrier document là, oui, parce que je dis à n'importe qui citoyen lambda qui est sur téléphone, on a parlé là d'un document de 122 pages. Moi, je dis que ça, moi, ouais, plusieurs médias reprennent, et puis moi-même, mais c'est regardé avec de l'autre monde dans le milieu, hein, qui dit que c'est pas très clair, effectivement, ça dit là dedans, c'est regardé. Mal regardé. Je ne sais pas comment guerrier, toute journée, elle a tellement cherché à comprendre l'ordonnance, non? Toute journée, hier là, toute soirée, hein, t'es trop petit pour me regarder de première page jusqu'à page 122, mm-hmm. parce qu'il faut me comprendre. Je ne dois pas connaître la procédure, yo ne dois pas connaître la question juridique, la question droit, mais si français ou écrit guerrier, je cherche à comprendre quand même. Si y'a des français, je ne pas comprendre car il met Jean-Paul lundi là où explique, ma contre, vous comprenez, est-ce que c'est un jargon juridique ça, et expliquez-moi ça, le dit. Ok, nous pas parler trop guerrier, on a les en conclusion. Et ordonnance juge Walter Wisser Voltaire Lagaye. Là, nous avons une page pour les gens qui ont un document dans les mains, 121 notamment. Et bien, qui ça, le juge l'a dit, guerrier, pour le juge l'a dit, non, par ce motif-là, que nous considérons comme conclusion, hein. Je l'a dit, eux-mêmes, dans la chambre criminelle, ils ont adopté en partie conclusion commissaire au gouvernement. On reprend un réquisitoire définitif lié qui peut être date 17 janvier 2024 là. Eh bien, je l'ai dit comme ça que Mounsa ou nouvelle cité là, y a pas poursuivi encore parce que y a constaté Mounsa ou pas existe encore, y a mouru. Par exemple, il y a Marie Jude, Gilbert Dragon, il y a Mauricio Javier Romero Medina, il y a Duberné Capadol, Giraldo. Il y a Miguel Guillermo Garçon, il y a Joseph Gérald Bataille, Mounzayo, yo wè yo mouri, et le juge l'a dit, yo constaté décès yo. Donc, de ce fait, yo annulé tout mandat, ok, d'amener que tu décerné contre notamment le feu Joseph Gérald Bataille. Le juge l'a allé plus loin, dans la conclusion, là, madame, monsieur, yo mette fin tout. À poursuite pénale qui était enclenchée contre Mounzayo, qui c'était des inculpés dans le dossier. On a parlé de ancien sénateur John Joel Joseph, avait dit là, la justice haïtienne va poursuivre Mounzayo encore. Mm-hmm. Mais attention, c'est pas parce qu'il est innocent, c'est parce que Mounzayo il est déjà condamné aux États-Unis d'Amérique. Mm-hmm. Par exemple, John Joel Joseph, James Solage, Joseph Vincent, Rudolph Jarre, Angel Pretel Ortiz, Mario Antonio Palacios Palacios, Walter Ventemia, Antonio Endriago, Herman Ariango Rivera Garcia, dit Colonel Mike, et puis patati patata. Dans le troisième paragraphe par ce motif-là, le juge l'a dit, eh bien, il constate, Mounsa yo pral cité là, mes amis, fais prière nous, parlons maintenant pour nous, s'il vous plaît. Parce que pas aucun indice qui montre que vous devez suivre Mounsa, vous devez poursuivre Mounsa au guerrier. Par exemple, Rinaldo Corventon,
Dominique Couvin, Antonio Chirami, Paul Eddy Amazon, Renaud Fontus, Pierre Ousmane Léandre, Prévost Mozart, et puis Conrad Bastien, parce qu'il dit pas gain indice suffisant, encore moins des charges qui concordent, susceptibles, bon, qui sont capables de justifier l'implication de Mounzaïo dans sa route reprochée. Donc, par conséquent, li voye hors des liens de l'inculpation, j'en disposition article 115, code d'instruction criminelle là, et li ordonne tout, si Mounzaïo, yon même yon était dans prison, pour libérer yon, si yon pas gain l'autre bagage, yon reproché. Maintenant, je l'ai dit, même moun, pour yon poursuivre Marie Concrabio Guerrier. Lise Victor Albero Pineda Cardona, Aliando Giraldo Zapata, Manuel Antonio Grosso Guaren, sûrement colombien, John Hayou Ramirez Gomez, John Hardel Andel Nel Calstral Duran, Francisco Eladio Ochoa, Alex Miguel Peña, Alberto Camunia Flores, Enalbel Vargas Gomez, Angel Mario Yarce Sierra, Naisel Guerrero Torres, Edwin Enrique Blanquissette, et puis gagné Juan Carlos Yepes Clavito, Hersen Mandivelso, Raimers, Christian Emmanuel Sanon, Joseph Vincent, James Solage, Jean-Aguel Civil, Joseph Félix Badio, Dimitri Erard, Léon Charles, Aymoun Marie Concrabe, Claude Joseph, Jacques Sincère, gagné Marie-Étienne Martine Joseph Moïse, ancienne première dame, non, Reynald Luberis, Ardouin Zéphirin, Louis Edner Gonzague Dey, Francis Sineus, Miradieu Faustin, H4 Joseph Pierre, Jean-Tel Joseph, ancien directeur général ANAP, gagné Gordon Fénil Désir, Emmanuel Louis, Bonnie Grégoire, Hubert Gentil, Marquis Kessa, qui est même déjà dans la pénitentiaire nationale, dans quatre dossiers, ça, William Moïse, Clifton Hippolyte, Elie Jean-Charles, Ronnie François, Ronald Guerrier, Cléantis Lucien, Sadrak Alphonse, Ernst Germain, Jude Laurent, Franz Louis, et puis Fanek Delicat, sans pas oublier Arlie Jean, parce que je l'ai estimé, et bien, il y a des charges concordantes, il y a des indices suffisants, et bien, qui pouvaient acclair que Mounsaïo, même, il y a en responsabilité criminelle guerrier souvle dans et dossier ça et yo gen pour quand même avec ça yo reproché yo a, et pour cela guerrier Dicel bon me dit j'ai m'appelé Stéphane de les privé sous nous Christian Emmanuel Christian Emmanuel oublié ce sont haïtien n'a pas donné moi ça et pas m'barrer les magasins philistins oui yo dit mon ça effectivement yo gen de près comme de loin des bagages pour yoé avec assassinat Jovenel Moïse. D'ailleurs, yo voyé moun sa ou devant tribunal criminel qui pral gen pour siéger sans assistance de jury pour capable juger yo sur ensemble de faits en association de malfaiteurs, et vol à main armée, terrorisme, assassinat et de complicité d'assassinat, crime commis au préjudice de son excellence Jovenel Moïse, des faits qui prévoit et qui punit à travers les articles 224, 225. Et pour ne citer ça seulement, dans le 5e alinéa, dans le 219 et dans le décret 4 mai 2023 à Code pénal, là, Jean et ça fait par rapport à prescrit article 119, 120 Code d'instruction criminelle là, qui est annoté par maintenant et Patrick Pierre-Luc. Bref, ça, c'est disposition finale que je la prends dans le cadre de l'ordonnance. Même on n'est pas poursuivre, même on les poursuivre, même pour qu'ils ça le poursuivre, même pour qu'ils ça le pas poursuivre. Gagné, moi-même ça